tu fumes toujours ? Non, je suis plus vieux. Tiens. Tu veux ton sac ? Tu t'es acheté une voiture ? Non, j'ai emprunté. C'est quoi ? Rien. C'est trop froid. Oui. Qu'est-ce que t'as ? J'ai très mal au poignet. Yes. Toi aussi, tu te fais vieille. Regarde sur le côté si j'ai de la place. Oui, ça passe. Qu'est-ce que tu fais? Les filles, elles savent que je suis là? Non. Tu ne l'auras pas dit? J'ai eu peur que tu nous fasses rebond au dernier moment, comme l'autre fois. C'est la quatrième. Maintenant que je suis là, préviens-le. J'aimerais bien le voir. On va les voir, là. Où ça? On va passer chercher Lucie et après on rentre à la maison. Tu m'as pas réservé d'hôtel? Non. Mais tu devais le faire. J'étais pas du tout sûre que tu viennes. Comment ça, tu étais pas sûre? J'étais pas sûre. Écoute, la dernière fois, j'ai eu un empêchement. Juste que j'ai tombé, c'est pas grave. Hein. Commence pas à justifier, sinon on va y passer la nuit. Quoi? Parce qu'une fois, j'ai dû annuler mon voyage. Non. T'as plein de raisons. Ça ferait plaisir aux filles que tu viennes à la maison. Je veux pas déranger. Mais tu ne nous déranges pas du tout. De toute manière, tu vas devoir venir à la maison pour récupérer ta valise, une fois qu'elle sera livrée. Viens au moins te changer pour pas attraper froid. J'ai dû faire un tour. Elle allait te coller une amende. Alors ? Elle est partie. Elle savait que tu viendrais la chercher. On y va. Quand tu étais en retard, elle est peut-être rentrée seule. Pas la première fois. Hier soir, elle est rentrée à 11h. Ils ont tous une face comme ça à cet âge-là, c'est normal. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle a? Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler?
essayer de comprendre ce qu'elle a. Si elle se souvient encore de moi après tout ce temps. Elle t'aime beaucoup. Encore maintenant? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à droite. Je faisais pas gaffe. On dirait que t'as tout oublié. Je pensais à autre chose. Marianne? Oui? Laisse pas ça dans la voiture, c'est risqué. Non, non, pas comme ça. Vous devez d'abord mettre un côté, puis l'autre. Hein? Je vais vous montrer. Alors ça, ça se met comme ça. Voilà. Elle est toute sèche. Il faudrait un peu d'huile. Tu sais où en trouver? Avant, vous la rangez dans un des placards de la remise. Ahmad. Oui. Juna, ça va? Qu'est-ce que t'as grandi, mon ange? Bonjour, monsieur. Il me snob, ton copain, hein? Il s'appelle comment? Il s'appelle Fouad. Bonjour, Fouad. Ça va? Ahmad, et toi, Fouad, viens prendre tes affaires dans la chambre. Dépêche-toi. Elle n'était pas dans la remise. Alors, vous l'avez changée de place pendant que j'étais pas là? Il y en a dans la voiture de mon père. Mmh. Où est passée l'étagère qui était là? La vieille étagère en bois. On l'a enlevée. Ah bon? Mais il y avait des livres à moi dedans. J'ai rangé toutes tes affaires dans la remise. Fouad, prends tes affaires et monte à l'étage, s'il te plaît. J'aime pas en haut. Quoi? J'aime pas en haut. Tu fais ce que je te dis, s'il te plaît. Attention à la peinture. Mmh. C'était pas mieux, la couleur d'avant? C'est pas fini. Et comme je me suis bousillé le poignet, j'ai dû laisser tomber. J'aurais dû m'attendre. Je refais ça pendant que je suis là. Ça m'aurait occupé. Je croyais que tu voulais aller dormir à l'hôtel. Laisse-moi faire.
Pardon. Mal, là. Ah, c'est bon, merci, merci. C'est bon? Tiens, la clé. Merci. Je t'ai laissé des vêtements là-haut. Pour te changer, tu vas attraper froid. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez. Tu dors là-haut, Lucie, en bas. Lucie, rappelle-moi s'il te plaît. J'ai une surprise pour toi. C'est juste pendant qu'Amadé est là, après tu redescendras. Allez, fais vite, s'il te plaît. C'est la voiture de ton père devant la maison? Oui. Tu habites ici? Oui. Avec ton père, hein? Oui. Depuis combien de temps? La rentrée. C'est pas la peine de faire ton lit ici. Retourne dormir en bas, à sa place. Dites monter, on dit descendre. Comment? Dites monter, on dit descendre. Excuse-moi. Pourquoi tu redescends, toi? Le monsieur m'a dit de descendre. T'as qu'à lui demander? Avec sa vieille barbe barbue. Il n'y a pas assez de lit pour eux trois en bas. Tu vis avec quelqu'un? Je ne l'avais pas dit. Comment ça? Je te l'ai écrit dans mon mail. Quel mail? Je sais plus quel mail. Un des mails que je t'ai envoyé. Je n'en reçois aucun. Alors pourquoi tu m'as dit que tu préférais dormir à l'hôtel? Pour ne pas te ranger. Écoute, en tout cas, moi, je te l'ai écrit. J'ai rien reçu. Pas demandé pourquoi je te fais venir pour officialiser le divorce. Il sait que je suis là. Oui. Alors je m'en vais. Il viendra pas tant que t'es là. Et s'il veut venir, il me préviendra, c'est sûr. Quand est-ce que t'as envoyé ce mail? Je sais pas. Ça doit toujours être dans ta boîte mail, alors. Hein? Oui, je suppose. Tu veux que je te le montre? Je t'avais demandé de réserver un hôtel.
Je t'en avais réservé un la dernière fois, t'es pas venu. Et j'ai dû annuler. Combien ça t'a coûté d'annuler? Je dois être au tribunal à quelle heure, demain? Je croyais que tu resterais pour parler à Lucie. Elle rentre quand? Je sais pas. Je lui donnerai rendez-vous quelque part demain. J'espérais que pour une fois dans ta vie, tu tiendras ta promesse. J'ai rien promis. Autant pour moi. Pardon. Fouad, tu peux pas regarder où tu mets les pieds? Pourquoi vous croyez que je passe 5 heures à nettoyer la maison comme ça? Pour vous la saloper en 5 minutes? Fouad, tu me regardes quand je te parle! Tu me regardes quand je te parle! On est allé chercher ça. Je m'en fiche que t'es allé chercher ça! Tu reviens ici, toi! Vas-y, tu vas être en retard. Non, je le fais. Je vais nettoyer. Non, je le fais. Mais non, avec ton poignet. Vas-y. Arrête, je m'en occupe. Vas-y. Je croyais que tu voulais partir, toi. Je reste le temps de voir Lucie. On verra après. Vas-y. Léa, s'il te plaît, tu peux aller me chercher mes chaussures dehors. Ouvre-moi cette porte. Dépêche-toi. Tu les surveilles? T'inquiète pas. Merci. Ouvre! Je vais casser la porte! Je partirai! Ouvre! Ouvre! Fouad, arrête! Recule-toi un peu. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu vas où? Attends. Lâche-moi! Arrête! Lâche-moi! Je te lâche! Je te lâche! Lâche-moi! Je te lâche! Mais dis-moi d'abord où tu veux aller, hein? Calme-toi! Bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller où? Je veux partir. Où ça? Chez moi. Mais c'est où chez toi? C'est à Paris, c'est trop loin, il peut pas y aller. D'accord, t'as rien demandé, toi! Oh, oh! Hâte ça dans cette maison! T'as compris? Sors là, on va se parler. Qu'est-ce que tu as, Fouad? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux partir. Tu veux qu'on appelle chez toi?
Y'a personne chez moi. C'est quoi qui te gêne ici? C'est parce qu'elle t'a grondé? Mais t'étais pas sage tout à l'heure. T'as renversé la peinture, t'as fait des bêtises. C'était pas toi qui a renversé la peinture? C'est pas à cause de la peinture. C'est à cause de quoi alors? C'est parce que je suis là. Tu veux que je parte? Bonjour, madame. Bonjour. L'avion avait du retard. Il est arrivé? Oui. Tiens. La gare est où? Juste là. Où ça? Tu devrais pas les laisser dans la voiture, c'est risqué. Mmh. T'es allé à l'hôpital? Ouais. Comment elle allait? Comme d'habitude. T'as pas amené Fouad? Pourquoi? Il m'a appelé pour que je vienne le chercher. Il voulait pas rester là-bas. Je me suis énervée contre lui. Contre tous les deux. Je vais le chercher ce soir et il rentre avec moi. Mais c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. C'est la première fois qu'il m'appelle pour oui, que mais c'est la première fois que je m'énerve contre lui comme ça. De toute façon, je vais prendre. Ok, j'ai eu tort. On va se rabibocher ce soir. Tu veux passer ce soir, préviens-moi. چه بلالی؟ به به چه بلالی؟ بابا کو؟ چه بلالی؟ چه بلالی؟ فاد فاد اخت. تیان. اون لویسا. attention. Tiens. J'en veux pas. Oh là là, mais tu t'es gobé la main? Non, je me suis pas coupé. Ben si, Fouad, il y a du sang partout. Ahmad, il s'est coupé le doigt. Ça va bien? Lucie?
Ahmad. Comment tu savais que c'était moi? Je savais que t'arrivais aujourd'hui. Ma petite Lucie. Et toi, Lucie? T'en veux? Non, merci. Non? Allez, reprends-en. Tu vas pas manger de vrai rôle, mais ça va de sitôt. À moins de vous trouver deux petits maris iraniens. Et toi, Fod, une femme iranienne, hein? Ça te plairait? Encore? Non, c'est bon. Comment ils sont les iraniennes? Les iraniennes? Elles ressemblent à moi, en fait. Non, enfin. Comme ça. Comme ça, ça te va? Ils font tout le temps comme ça. Avec la barbe ou pas? Non. Tu veux partir en Iran avec Ahmad? Ça ressemble à quoi? Tu rentres toujours si tard? Juste pour dormir. Ah bon? J'ai nulle part ailleurs pour passer la nuit. Pourquoi tu veux pas dormir ici? C'est comme toi. Tu préfères partir chez ton copain demain plutôt que de rester là. Je suis pas chez moi. Chez ton copain, t'es chez toi? Je me sens pas à l'aise ici. Moi non plus. C'est pas pareil. Pour moi, c'est difficile de me retrouver nez à nez avec celui qui va épouser mon ex. C'est normal. Pour toi, c'est juste ton ex? Ah oui. N'importe quoi. Quoi? T'as vécu ici avec elle pendant des années et maintenant c'est juste ton ex. Depuis, tout a changé. On s'est séparés. Tu peux me donner un coup de main? Tu es quand même assez grande pour comprendre ça. Ouais, je suis surtout assez grande pour avoir besoin qu'on fasse la morale. Je suis pas là pour te faire la morale. Ma mère m'a demandé de te parler pour savoir ce qui se passe dans ta tête. Je ne sais pas pourquoi elle pense que tout le monde dira plus qu'à elle. Elle sait très bien ce qui se passe dans ma tête. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Lucie. Viens là, s'il te plaît. Pas quelqu'un de bien? Je sais pas, je le connais pas. Pourquoi tu le traites de con? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. D'ailleurs, il a rien à faire ici. Ta mère veut vivre avec lui. Et elle a le droit de vivre avec qui elle veut. Avec qui elle veut? Si c'est un mec, un gosse et une femme dans le commun. La maman de Fouad? Et si ta mère épousait quelqu'un d'autre? Ça te gênerait pas? Ce serait pareil. Donc ton problème, c'est pas ce type? Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. À chaque fois, c'est la même chose. Ils viennent, ils restent quelques années et ils se barrent. Tu peux lui parler? Pour lui dire quoi? Pour la faire changer d'avis. Allez, Fouad, tu montes et au dodo. Encore 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Chabert. Lucie, tu peux dormir en bas ce soir. Fouad va dormir en haut avec Ahmad. Je t'ai gardé à manger si t'as pas dîné. Oh là là, merci. Tu veux que je le réchauffe? Non, merci. Où est-ce que t'as trouvé toutes ces herbes? On est allé en acheter avec les enfants. Tu cuisines toujours aussi bien. Il me reste ça au moins. On doit y être à quelle heure demain? 9h. On mange pas le rôle de sabzi avec une fourchette. Voilà. Tu lui as parlé? Oui. Et alors? Tout en doute. Ça lui plaît pas que tu veuilles te remarier. Elle a peur que tu vives avec lui quelque temps et après qu'il s'en aille. Tu peux lui dire que lui, il s'en ira pas. Mais je pense que je suis pas la bonne personne pour la convaincre de se réjouir de ton mariage. Je lui demande pas de se réjouir. Je veux juste comprendre ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle cherche? T'empêcher de te marier. Moi aussi, ça m'a fait rire. Essaye de la convaincre avant de prendre ta décision. Ma décision est prise. Pas bien là où on peut changer. Non, ça va. J'ai envie de faire pipi. Bah vas-y alors. Allez. Allez. Son médecin aussi? Non, j'ai vu que l'infirmière. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? À propos de quoi? À propos des griffures qu'elle s'est faites sur le ventre. On m'a juste dit que c'est arrivé après les deux dernières visites. Ça a peut-être rien à voir avec les visites. C'est peut-être un geste involontaire. T'arrangerais que ce soit involontaire. Excuse-moi, je suis désolé. Tu te rends compte de ce que tu me dis? C'est trop facile de dire ce qui te passe par la tête et de me demander pardon ensuite. Fais là, toi.
fait tout noir, je peux pas monter. Pourquoi tu voudrais monter? C'est moi qui lui ai dit de monter avec Ahmad. Comme ça, les filles dorment ensemble. Elle a peut-être pas envie de dormir avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Va te préparer, on s'en va. Oui, mais j'ai sommeil. Je veux dormir. Tu m'as demandé de venir te chercher. Non, je veux rester. Viens dormir avec moi dans le lit. Allez, viens. Ahmad, laisse tomber, on va être en retard. L'évier est bouché. Oui, bah ça attendra. On doit y être à 9h. Les enfants, dépêchez-vous. Père. Oh. Oh, Ahmad. Ça va? Ouais. Ça va, les enfants? Oui. Bonjour. 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 Samir. J'ai les mains sales, désolé. C'est encore bouché, ce truc? Ça y est, c'est débouché. J'ai plus qu'à le revisser. Prépare-toi, on me dépose au lycée. C'est pas la peine. Ahmad, on est pressé. J'ai fini. Bon, allez, debout, les enfants, là. Allez vous préparer. Ça fuit. Il y a toujours eu cette fuite. Je t'ai déjà dit, c'est le joint. Faut le changer. Laissez, je m'en occupe. C'est bon. Bon, allez-y, je m'en occupe. T'as mangé quelque chose? Non, pas encore. Je vois après. T'as pas cours? Ahmad. Oui, j'arrive. Je peux sécher. Tu sors à quelle heure? À 1h. Chose. Non. Là, attends. C'est pas l'école de Lucie, ça? Vous pouvez nous battre? Si. Jamais! Allez, Blanche, tue-les! Maman, tu. Allez, hein. Oh. Au revoir, les enfants. Au revoir, Ahmad. Au revoir, maman, à ce soir. Au revoir, ma chérie. Au revoir, maman. Attends, fais-moi, là. Viens. Ouais. Allez, au revoir. Mais comment vous vous êtes rencontrés? À la pharmacie. Il venait parfois chercher des médicaments pour sa femme. Qu'est-ce qu'elle avait, sa femme? Elle était dépressive. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Chez nous, ça s'appelle un sourire. Oui, bah ici, ça s'appelle de la moquerie. Tu te moques de quoi, là? Ça te manque de chercher des médicaments dans ma pharmacie? Non, mais attends, dis-moi, c'est quoi? C'est sa dépression? Écoute, que t'amuses? Écoute, si tu m'embêtes, je descends là et je rentre à Téhéran tout de suite. Bon, vraiment, il n'y a que la couleur de tes cheveux qui a changé. Ce sera bien emmerdé. Le reste n'a pas bougé.
Je fais quoi alors? Je descends? Arrête de déconner. Je descends, je descends pas. Arrête. Non mais vraiment, tu l'as trouvé comment? Dis-moi d'abord si tout ça est sérieux pour toi et je te dirai. Bah, si c'était pas sérieux, je serais pas enceinte. Madame? C'est une blague? Non. Cette requête concerne uniquement votre situation personnelle, puisqu'il résulte de votre demande que vous n'avez pas d'enfant issu du mariage. Sur le nom des époux, il est indiqué que Madame Brisson renonce à l'usage du nom du mari pour reprendre son nom de jeune fille. Sur le logement, il est précisé que Madame Brisson garde son logement 20 rue de Paris à Sevran. Les effets du divorce se produiront le 19 octobre 2012, c'est-à-dire à la date de ce jugement. Pardon. Ça serait bien si vous pouviez couper votre téléphone, madame. Vous avez récupéré vos biens, meubles et objets personnels. Vous êtes partagé en nature les meubles meublants. Les impôts ont déjà été réglés par chacun. Le coût du divorce vous incombe par moitié. Bref, cette convention règle la totalité des conséquences du divorce de manière très claire. Il me reste à vérifier votre détermination. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable? Oui. En conséquence, je prononce le divorce sur le fondement de l'article 230 du Code civil. J'homologue la convention qui était annexée à votre requête et qui sera annexée au jugement. Je redonne la transcription. Là, il faut vraiment couper. Ah oui, c'est moi. Écoute, ils ont apporté la valise. Elle est cassée. Je sais pas s'il manque quelque chose dedans ou pas. Si je dois la prendre ou non. Enfin, appelle-moi. C'est bon? Et s'il manque quelque chose? Il a une assurance? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous la prenez ou bien je la ramène à l'aéroport et il viendra la chercher lui-même? Une petite signature, s'il vous plaît. Juste ici. Ouais, pourquoi? Rien, c'est vos yeux. Une allergie à la peinture. Faut changer de métier. Lucie! Lucie! Ça va? On va voir chez les minous, vous savez, t'as juste que je vois, ça. Chateri. Oui, je serai là, Pinconi. Normal, tout ça, normal, la vie, Vicky. Oui, madame. Dios, pardonne-moi. Bichaba, bichaba. Je suis là. Je suis bouzouk, chodé, ça va? Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis là, je suis là, je suis là. Quelle jolie demoiselle. Tu te souviens quand tu étais petit? Il t'a amené ici sur son vélo? J'ai rien vu. On est hors une Lucie. Tu es doux. Pardonne-moi, mademoiselle. Mon rachat, tu es dans le monde, c'est nickel. Oui, réagis doucement. Bon, allez, viens, quoi, j'espère. On a ces deux choses, quand même. Elle va te croire avec. Qui? Armand? Armand? Merci. Salam, Valérie, je suis Tori. Je suis Tori. Comment? Bonjour. Regarde, il y a des loups ici. Oh, la petite Lucie. Ah, c'est petit que ça, hein. Que t'es devenue belle. Vous êtes encore ensemble, vous deux? Ah, ben oui. Je vais vous dire que je suis un petit peu plus grand que je suis. Ça va, non, Faro. Je vais vous dire que je suis un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il raconte, ton mari? Il parle trop, mais je l'écoute plus. Comment va ta maman?
Vous êtes allé au tribunal ? Oui. Et alors ? C'est fini ? C'était déjà fini. Tu aimes toujours le ravioli ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, ce type, je le trouve pas si antipathique que ça. En ce moment, il doit être complètement perturbé. Et toi, à sa place ? Entre l'histoire de sa femme et le suicide qu'il doit se faire pour son Comment fils. Comment elle va faire pour épouser un homme marié? Tu m'as dit que sa femme est dans le coma. Elle n'est pas morte. Si ça se trouve, elle ne mourra pas. C'est son problème, ça regarde que lui. Tu sais pourquoi sa femme est dans le coma? Non. Comment je saurais? Ma mère t'a rien dit. S'est suicidé. À cause de sa dépression. Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Lucie. Regarde-moi. On va prendre l'air, hein? Tu es chaud dans la main? Ah oui, bon. Lève-toi, Lucie. Lucie, viens. Maman, maman, on va le chaud, on t'en bouge. C'est pourquoi elle dit à personne que sa femme s'est suicidée. Calme-toi, on en parlera. Elle a peur que ça se sache. Quoi? Que c'est parce qu'ils sont ensemble qu'elle a voulu se tuer. Tu devrais pas parler de ces choses-là avec autant de certitude. Surtout à ton âge. Alors me dis pas que j'ai grandi si tu trouves que c'est pas vrai. Pardon. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Tu penses que ça dépend de toi, moi? Je suis rien ni personne dans cette histoire. Si ils se marient, je mettrai plus jamais un pied dans cette maison. Ta mère est enceinte de lui. Non, tu mens. Attends. Attends, je te dis. Tu sais pourquoi elle est allée trouver ce putain d'enfoiré? Parce qu'il te ressemble. Allez, tu prends la clé dans mon poste, s'il te plaît. Dans l'eau.
Bonsoir. Oh là là, t'es trempée. Oui. C'est bien tombé de corde. Tu veux un café? Je viens juste prendre ma valise. Je dois y aller, t'as un cas d'erreur. Elle est là. Tu veux pas attendre que la pluie s'arrête? Je crois qu'elle est pas prête de s'arrêter. Lucie est rentrée? Non, attention à la peinture. Elle était cassée quand ils l'ont livrée. T'as appelé ses copains? Non. J'ai tellement fait dernièrement que j'ose plus le faire. Tu lui as parlé aujourd'hui? Oui. T'as un bout de ficelle ou quelque chose pour que j'attache ma valise? Il te reste une ou deux valises sur la remise. T'as qu'à en prendre une si tu veux. Les enfants dorment? Non. Allumer, s'il te plaît. Tu veux bien appeler les enfants pour que je leur donne le cadeau avant qu'ils se couchent? Fred aussi? Oui, oui, bien sûr. Il n'était pas prévu au programme, lui. Mais je lui ai trouvé quelque chose aussi. Je peux vous demander de ne pas lui donner? Pourquoi? Est-ce qu'il a fait quelque chose de pas bien? Il mérite une punition. C'est quelque chose qu'ils ont fait ensemble. Dans ce cas, il faudra les punir tous les deux. Je peux parler que pour mon fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés d'eux-mêmes dans votre valise chercher le cadeau. Le cadeau y était encore tout à l'heure? Ouais, c'est moi qui l'ai remis. Ce serait trop facile de classer l'affaire comme ça. La valise était ouverte, ils se sont laissés tenter, c'est pas grave. Je vais leur demander de s'excuser. Comme ça, ils apprendront à s'en sortir avec des excuses toute leur vie. Mais je leur ai déjà dit que je leur ai apporté des cadeaux. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était maintenant. Tu veux bien laisser tomber? Je crois que je les ai assez gondés comme ça. J'ai juste demandé si c'était possible. Bonsoir, les enfants. Non, non, non. Il faut d'abord que vous demandiez pardon tous les deux. Je vous demande pardon. Et toi? C'est pas moi qui l'ai pris dans la valise. T'étais bien avec elle quand elle le prenait, non? Mais c'est pas moi qui l'ai pris. Peu importe qui l'a fait. Vous étiez tous les deux. Tu l'as vu le faire, t'aurais pu lui dire de pas le prendre.
Je demande pardon. Je demande pardon. Tu demandes pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je regarde le monsieur. Je demande pardon. Je demande pardon. Alors, venez prendre vos cadeaux. Venez. T'as fait comme si c'était moi qui l'avais pris. J'ai juste dit que c'était pas moi. Bah, ça veut dire que c'est moi. Bah oui, c'est toi. Non. En plus, c'est toi qui m'as dit que la valise était ouverte. J'aurais jamais pris le cadeau sans ça. T'avais pas qu'à m'écouter, t'avais pas qu'à les prendre. Je sais pourquoi t'es énervée. Parce que toi, t'as pas eu d'hélicoptère. T'as eu que des crayons de couleur. Ta gueule. T'es fou. Ta gueule. T'es complètement malade. Ta gueule. Je l'ai prise à ta taille d'il y a 4 ans. J'ai toujours la même taille. J'ai aussi un cadeau pour Lucy. Je le lui donnerai moi-même plus tard. Merci, Anne. Tu devrais pas fumer. Elle n'est jamais rentrée si tard. Je vais aller la chercher. Où ça? Je sais pas, dans les parages, la rue, vers. Elles sont où les clés? C'est toi qui les avais. Je peux venir aussi? Ouais. Si tu veux. Peut-être qu'elle voudra pas rentrer avec lui. Pourquoi elle a pleuré aujourd'hui au restaurant? Qui t'a dit ça? J'ai appelé Charrière. Il m'a dit qu'elle s'était mise tout à coup à pleurer au restaurant. Elle rentre jamais si tard. Qu'est-ce que tu lui as dit qu'il la fasse rester dehors comme ça? Tu lui avais pas dit que t'étais enceinte? Tu lui as dit, toi? Je pense que si elle savait ça, elle lâcherait. Mais c'est pour ça qu'elle est pas rentrée. Tu devais pas lui dire. Je savais pas. C'est quoi ce secret de polichinelle? Elle aura appris un jour ou l'autre. Mais pas dans l'état dans lequel elle est maintenant. Son problème à elle, c'est pas que tu sois enceinte. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème, hein? Elle a l'air d'être au courant de tout. De tout quoi? Tu trouves pas les clés? Eh ben, tu les cherches. On en parlera plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire par au courant de tout? Je comprends pas ce que tu me racontes. Elle dit que sa femme s'est suicidée à cause de ta relation avec lui. Elle s'est suicidée parce que Samir est mort. Elle demande qu'on parle, d'accord? Elles sont pas là, les clés. C'est bon, je les ai, les clés. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ça dérange quelqu'un que je sois ici? Non, mais... Ouais, ça va. Attends-moi, j'arrive. Ahmad? Sa femme était dépressive depuis longtemps. Je la croisais à chaque fois que je déposais mes vêtements. Ça se voyait qu'elle allait mal. Pourquoi elle allait mal? Comment ça, pourquoi? Rien, laisse tomber.
Écoute, ou bien tu dis les choses clairement, ou bien tu les dis pas. Tu me dis qu'à chaque fois que tu la voyais, elle se sentait mal. Non, j'ai pas dit qu'elle se sentait mal. J'ai dit qu'elle était mal. J'ai dit qu'elle était mal. Arrête. Ça dégénère. Ça te ferait plaisir d'entendre qu'elle s'est tuée à cause de moi, hein? Je veux rien entendre du tout. Tu me demandes d'aller parler à ta fille pour savoir ce qu'elle a. Et là, je te dis ce qui se passe dans sa tête. Un point, c'est tout. Eh ben, elle se trompe. Faut que je lui parle. Pour lui dire quoi? T'espères qu'elle va avaler ça? Toi, tu me crois pas. Ça compte pour toi que je te crois. C'est elle qui doit... Pourquoi tu me crois pas? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ce que je dis, là? Moi non plus, je crois pas qu'une mère avec un enfant de 5 ans peut se tuer à cause d'une dépression. C'est toi qui me dis ça? T'as oublié l'état dans lequel t'étais? Elle a déjà essayé de se tuer quand son bébé avait 9 mois. Ça aussi, c'est de ma faute. Pourtant, à l'époque, j'étais avec toi. Cette dépression a commencé juste après son accouchement. Tu veux savoir quelle sorte de médicaments Samir prenait pour elle? Reste à Paris jusqu'à quand? J'ai pas encore fixé ma date de retour, je sais pas. T'es obligé de venir jusqu'ici? Tu pouvais pas faire appel à un avocat pour qu'il s'occupe des formalités du divorce? Si, mais j'ai préféré venir. J'avais envie de revoir les enfants, et Marien aussi. Que tout finisse bien. On dira pas que tout est fini. Il reste encore des choses entre vous. Non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Quand deux personnes se retrouvent après 4 ans, et qu'elles recommencent à s'engueuler, c'est qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées. On s'est disputé au sujet de Lucie. Son problème à Lucie, c'est moi. Non, c'est un malentendu. À propos de quoi? Quoi, c'est un truc personnel entre vous que je dois pas savoir? Non, il n'y a rien de... Dans ce cas, je te demande de me mettre au courant. Je sais pas si tu le sais, mais Marie porte mon enfant. En plus, elle fume, elle est tout le temps stressée, c'est pas bon pour elle. Moi aussi, je me fais du souci pour elle. Avant, elle fumait pas. Je laisserai pas cette petite détruire sa mère. Maintenant, si elle a un problème, soit elle vient me voir. Elle n'a pas de problème. C'est un malentendu. C'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois? Si tu veux bien, c'est Marianne qui va t'en parler. Du coup, je veux plus qu'elle soit mêlée à ça, d'accord? Elle se fait des idées sur le suicide de ta femme. Elle croit que ma femme s'est suicidée à cause de mon histoire avec sa mère. Ça alors? Je vous ai entendu. Ah bon? Elle a fait ça à cause d'une histoire stupide avec une cliente. Elle m'a dit qu'elle était dépressive. Si elle n'était pas dépressive, elle n'aurait pas tenté de se tuer pour une connerie pareille. Ben, si Lucie ne me croit pas, qu'est-ce que j'y peux? Je vais lui envoyer mon employé. Elle était là le jour de la dispute. Faudrait prévenir la police, ils vont peut-être la retrouver. C'est déjà arrivé qu'elle rentre de la nuit? Non, c'est la première fois. Elle est peut-être allée chez son père. À Bruxelles. Il est plus à Paris. Il est retourné vivre à Bruxelles. Tu crois que c'est possible qu'elle soit allée là-bas? Non. Elle est en mauvais terme avec lui aussi. Tu veux que je passe un coup de fil? C'est mieux si c'est toi qui le fais.
Ça m'étonnerait qu'elle soit allée jusqu'à Bruxelles. C'est bon, je vais le faire. Ok, donne-moi son numéro. Charlie a appelé deux fois, il voudrait que tu le rappelles. Où est le téléphone? Dans la cuisine. Pourquoi elle s'est mis cette idée dans la tête? Quelle idée? Ah, à propos du suicide de Céline. Je sais pas. Non. Boche, merci. Merci pour le maintenant. Tiens. C'est quoi? Téléphone de son père. Essaie de pas l'inquiéter, il a le cœur fragile. Elle est chez Charlie. Elle est allée au restaurant et Charlie l'a emmenée chez eux. Non mais attends, il a appelé deux fois. Pourquoi il me l'a pas dit? Il a bien vu que j'étais inquiète. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi il m'a pas dit qu'elle était chez eux? Je suis morte d'angoisse. Toute la soirée, je suis morte d'angoisse. Pourquoi il me l'a pas dit? Je veux t'expliquer. Tu vas m'expliquer? Tu vas m'expliquer quoi? Tu vas m'expliquer quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Je t'ai demandé dans la voiture de me dire les choses à moi, pas à elle. Mais moi, je te demande de ne plus hausser le ton devant moi. Je veux savoir pourquoi il m'a pas dit qu'elle était chez eux. Lucie lui a fait promettre. Chez qui? Elle est restée à condition que Charion ne le dise à personne. Il promet de cacher une fille de 16 ans chez lui sans dire à personne. Je trouve ça normal. Comment ça cacher? Pourquoi il l'a caché chez lui? Il a eu de la peine. Pourquoi il l'a caché chez lui? Il a eu de la peine pour elle. Il a eu de la peine pour sa mère. Où sont les clés de la voiture? Tu viens comme ça? Faut qu'elle rentre. Rien. Qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'on ait une conversation franche toutes les deux. Maintenant? Tout de suite. Elle croit qu'on ne sait pas qu'elle est chez Charlie. Je m'en fous! Je veux qu'elle voie la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Je veux qu'elle comprenne que cette femme était dépressive et que ça n'en a rien à voir avec moi. Si tu vas la chercher, elle ne viendra pas. Si elle ne revient pas, j'appelle la police. Je te promets, je le ferai. Tu vas appeler la police, ils vont la ramener ce soir et après, ça va recommencer. Soit elle revient ici, soit elle va chez son père à Bruxelles. Elle rentrera pas tant que je serai là. Salam. Tu te dis qu'il y a des... Un chat, pas de lit. Non. Tu veux que tu me dis? Tu as un taxi. 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 Tu as un آخر وقت بود دیگه فکر کنم اومده قبل تو شهری جون هم زنگ زدی خبر میدادی مادرشش میمونه از دلشون چه جوری به تو زنگ بزن تلفن نداری که زنگ زدم خونهشون تو رو پیدا کنم که اونجا هم نبود و ترسیدم به مامانش بگم یه خیلی بفهمه شبانه باز پاشو بریم چه شی بخواهی یکی خیال علکی لوسی Lucie. Lucie. Désolée de te réveiller. Ta mère t'attend. Elle voulait venir te chercher, mais je lui ai demandé de ne pas venir. Allez, lève-toi. Où est ton blouson? Non, j'irai pas là-bas. Je veux pas rentrer ce soir. Ok. Je l'appelle et tu lui parles. Allô, Marianne? Ne quitte pas, s'il te plaît. Allô? Reste ici cette nuit.
quoi t'as coupé? C'est lui qui a coupé. Allez, on y va. Viens, lève-toi. On va discuter. Je veux que tu écoutes bien ce que j'ai à te dire. Je ne sais pas si tu te souviens des derniers mois où je vivais avec ta mère. Tu te souviens? Je te rappelle dans quel état j'étais. J'étais mal tout le temps. Je travaillais plus, je sortais plus. Je voulais plus exister. Alors quand ta mère dit que cette femme s'est suicidée parce qu'elle était dépressive, je comprends très bien ce que ça veut dire. Même si elle avait un petit enfant. T'as souvent pensé à te suicider à l'époque? Oui, ça m'est arrivé. T'as jamais pensé à te tuer en avalant du détergent dans les rayons? Quoi? Non. Tu crois qu'une femme qui va dans le pressing de son mari, qui avale un flacon de détergent devant son fils et qui s'écroule, elle fait ça juste parce qu'elle veut mourir? Pourquoi elle n'a pas pris des médicaments pour aller mourir dans son lit? On peut passer la nuit à imaginer des choses comme ça. Ce sont que des suppositions. Demain, on verra l'employé de Samir. Elle a des choses à te dire. Ouais, non, on y va. Ça veut dire ça? Hein? Quand je te dis de descendre, tu descends. Regarde-moi. Tu m'écoutes quand je te parle. Hé! Hey. Quoi? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi. Tu ne refais plus jamais ça, d'accord? Regarde-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ton coussin. Non.
Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a, Fouad? Parle. On veut retourner chez Marie. On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison, c'était là-bas. Pour toujours. Oui, mais les choses ont changé. C'est à cause du monsieur qui est venu? Non. De ma bêtise d'hier? Ouais, non. Pourquoi Lucie, elle t'aime pas? Parce qu'elle croit que je veux lui enlever sa maman. Mais elle aime pas sa maman. Mais si, elle aime sa maman. Tous les enfants aiment leur maman. C'est comme toi. Maman, elle te manque. Elle est plus chez nous, maman. Tu veux que je t'emmène la voir? Tu veux qu'on y aille demain? Non. Pourquoi? Elle me fait peur. Ta maman? Elle est morte. Pourquoi dire des choses comme ça, Fouad? Si elle était morte, il la garderait pas comme ça, avec les appareils à l'hôpital. Si on enlève ses appareils, elle meurt. Pourquoi on n'enlève pas ses appareils? Parce qu'on sait pas si elle veut vivre comme ça ou si elle veut mourir. Elle voudrait mourir. Pourquoi tu dis ça? C'est pour ça qu'elle s'est tuée. Elle voulait mourir. Pardon, papa. Silentache. Sa femme aussi travaille au Crécy? Oui, en fait, ça faisait quelques jours que Samir, il lui a dit de venir pour changer la tête, les idées. Mmh. Et ce jour-là, Céline, elle s'est disputée. Céline, c'est la femme de Samir? Oui, c'est la femme de Samir. Elle s'est disputée avec la cliente parce que la cliente, elle a dit que la tâche, c'est le pressing qu'il a fait. Mmh. Et Céline, elle a dit non, non, la tâche, elle y était avant. Mmh. C'est tout? Oui, après moi j'ai dit pour arranger les choses, vous revenez demain, on va laver la robe et voilà. Céline, elle a commencé à dire Zahma, comme quoi moi, pourquoi je parle, je suis pas la patronne, c'est pas à moi de dire ça. Et le pressing, il a rien fait, c'est pas le pressing qui a fait la tâche. Alors elle a pris la robe, elle l'a mise sur le trottoir. Après, la cliente, elle a appelé la police pour déposer la plainte. Et moi, j'ai voulu partir. Vous travaillez au noir? Oui, je travaille au noir. Mais Céline, elle m'a dit non, il faut rester, il faut que tu témoignes, Zahma, pour dire, voilà, la tâche, elle y était avant. Et c'est pas nous. Alors moi, en cachette, j'ai appelé Samir, je lui ai dit, il faut venir. Samir, il est venu, il a dit à la cliente, madame, excusez-moi, voilà, on va vous donner l'argent, vous allez racheter une nouvelle robe, c'est bon comme ça. Et la cliente, elle a dit, oui, à une condition, il faut que Céline, elle dise les excuses. Mmh. Et Céline, elle a dit non. Il a commencé à me crier dessus. Elle m'a dit, pourquoi tu as appelé Samir en cachette? Moi, j'ai commencé à prendre mes affaires pour partir. Et là, Samir, il est venu et il m'a pris la main, comme ça. Il a dit, voilà, toi, tu restes. Et il a dit à sa femme, toi, maintenant, tu vas partir. Il l'a viré devant la cliente. Devant moi, il a dit, moi, j'y suis resté. C'était combien de jours avant son suicide, cette histoire? C'était 4-5 jours. Je peux y aller? Merci.
موسی یه چایی به همون نمیدی؟ الان میارم. C'est comme ça en dépression. Rien peut suffire pour te faire plonger. Le jour avant qu'elle se suicide, je lui ai transféré tous les messages d'amour que ma mère et sa mère s'étaient envoyés par mail. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais aller à Bruxelles. Dis pas de conneries. Chez ton père, tu tiendras même pas deux jours. Il faut que tu retournes chez ta mère. Je peux pas me retrouver face à un type dont la femme est morte par ma faute. Je peux pas regarder son fils dans les yeux. Viens t'asseoir. Tu veux que je t'aime? Tu vas pas le dire à ma mère. Écoute. Non, je veux pas qu'elle t'apprenne. Assieds-toi, je t'ai dit. Assieds-toi. Tu vois, j'aurais pas dû attends, te le dire. Attends, écoute. De deux choses l'une. Soit tu gardes ça pour toi et tu vis un calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Qu'est-ce que ça changerait? Ça aura peut-être un effet sur sa décision d'épouser ce type. Sa décision, elle est prise, elle est enceinte. Imagine qu'elle l'apprenne à la naissance de son enfant ou quelques années plus tard. Là, ça sera vraiment trop tard. Si j'avais eu envie de le dire, je l'aurais déjà dit. Lucie, la question, c'est pas que tu en as envie ou pas. Demande-toi plutôt si c'est important pour ta mère. Elle a le droit de savoir. Bonjour maman. Ça va? Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? T'as acheté les chips? Oui, j'ai acheté les chips. T'es là? J'étais là-haut avec Lucie. Ça va? Ça a été votre rendez-vous? Quel rendez-vous? Le rendez-vous avec l'employé de Samy. Ah, oui. Ça a été. Et alors? T'avais dit à Lucie que je venais à Paris? Non. Comment elle le savait alors? Elle le savait? Comment? Je sais pas. Si ça se trouve, elle lit ta mail. Où est-ce que tu ranges ça? Il s'est passé quelque chose. Tu veux qu'on aille faire un tour, marcher un peu? Non, je suis fatiguée, là. Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad? Et j'ai papa. C'est hyper chier avec toi. Tu dois rester ici avec maman. J'ai envie d'être avec toi. C'est pas une bonne idée. J'en
spécial, sa femme, un papa. Lucie. C'est vrai ce qu'a dit Ahmed? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait, petite conne? Et qu'est-ce que t'as fait? Arrête! Mais Marie! Qu'est-ce que tu fais? Mais bon! Calme-toi! Calme! Calme! Arrête! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Tu m'as promis de ne pas t'en prendre. Sors de cette maison! Tu sors de cette maison! Presse pas la sort. Lâche-moi! Elle a assez mal comme ça. C'est moi qui lui ai demandé de te raconter tout ça. Elle aurait pu m'empêcher de t'en parler. J'aurais pu lui dire de garder tout ça pour elle. T'aurais préféré ça? Mais tu vas te taire, toi! Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Tu te dégages! Tu te dégages, je veux plus te voir ici! Tu sors arrête, de ma rue! Je te dis! Tu sors de ma rue! Arrête, je te dis! Va dans ta chambre. Vas-y. Je te rappelle que ces mails, c'était toi qui les as écrits, pas elle. Elle les a juste renvoyés. Je veux pas t'entendre, toi. Attends. Je déteste quand tu prends ton air supérieur pour me faire la morale, ça me dégoûte! Je fais pas la morale! C'est toi qui m'as demandé de venir ici pour parler à Lucie et comprendre ce qu'elle a. Mais putain, je t'ai pas demandé de venir ici pour Lucie. Je t'ai demandé de venir ici écoute, pour signer ce putain écoute. De papier de merde au bout de 4 ans écoute. Et que je te revois plus jamais. Écoute, pourquoi tu m'as pas demandé de venir ici l'année dernière, hein? Pourquoi je dois être ici juste au milieu de cette merde? J'en ai rien à foutre. Sans savoir que tu vas te marier. Mais tu t'as qu'à lire tes mails. Et tu m'as pas réservé d'hôtel. Mais de quoi et tu m'as fait dormir dans la même chambre que son fils. Pourquoi? Hein? Je t'ai écrit un mail. Tu m'as fait venir ici pour te venger. Et c'est ça. Mais oui, et rien d'autre. Mais oui, c'est ça, t'as raison. T'as raison, t'es content? Et juste au moment d'entrer au tribunal, tu m'annonces que tu es enceinte. Pourquoi? Tu veux pas sortir d'ici? Tu veux pas t'en aller, vraiment? Partir? S'il te plaît. Elle s'en va. Lucie. Lucie, où tu vas comme ça? Rentre! Rentre! C'est qui pour me dire ce que je fais? Je t'en prie, Lucie, n'aggrave pas les choses. Ta mère va pas bien. Mais pourquoi tu lui as dit? Tu m'as autorisé. Tu m'as même pas laissé le choix. Je voulais t'éviter de souffrir toute ta vie. Parce que là, je souffre plus. Je vais bien. Attends. Tu peux me prêter un peu d'argent? Attends, je viens avec toi. Attends. J'y vais.
Hamad. Je peux te poser une question? Quoi? Il y avait quoi dans ces mails? Je sais pas. احمد من نگاه کن کشش بدی رفتی یا کات منم ایت رو یادته کات این دنیا بدون من رو تا میره جلو گاهی فهم کنم مثلا 4 سال پیش های من نرفته بود 4 سال پیش نرفته بودی سال بعدش میرفتی نه 2 سال بعدش میرفتی تو آدم اینجا نبودی روز اول چی بهت گفتم؟ یا این ور یا اون ور نمیشه یه پات این ور جوب باشه یه پات اون ور جوب یه جا جوب گشاد میشه Tu veux le prévenir? Tu peux très bien pas lui dire. Va te coucher. Éteins la lumière, s'il te plaît. J'arrive. C'est quoi tout ça? Ce parfum. Je les emporte à l'hôpital. À faire un test. Et une de ces infirmières qui m'indique la mémoire des odeurs est celle qui part en dernier. Je rentre pas. Je dois y aller. J'aime pas quand tu me caches tes sentiments. Je te cache rien. Tu vas me dire que t'es pas content. C'est une bonne nouvelle qu'elle puisse encore avoir des réactions, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
coincé entre ta femme et moi. Et tu t'en es rendu compte comme ça aujourd'hui? Non. Je ressens ça depuis longtemps. Depuis quand? Comment ça, depuis quand? Tu disais pas ce genre de choses jusqu'à la semaine dernière. J'ai toujours ressenti ça, mais j'avais pas le courage de te le dire. Peut-être que j'étais pas sûre de moi. T'as toujours ressenti quoi? Je suis là pour combler le vide laissé par ta femme. Et moi, je suis là pour combler le vide laissé par qui dans ta vie? Personne. T'es sûr? Je suis pas là pour rattraper l'échec de ton mariage. Si c'était ça, je porterais pas ton enfant. Non, ça, c'était un accident. J'aurais pu ne pas le garder. Tu l'as gardé pour effacer cet homme de ta vie. Pour te persuader que tu commençais une nouvelle histoire, que lui c'était vraiment fini, mais le problème c'est que t'en es même pas sûr. Sinon tu l'aurais pas ramené chez toi, tu l'aurais laissé à l'hôtel. Tu crois que je vois pas l'état dans lequel t'es en ce moment? Je te reconnais même plus depuis qu'il est là. Je suis dans cet état parce que j'ai appris pourquoi ta femme s'est suicidée. Laisse-la en dehors de ça, s'il te plaît. Laisse-la en dehors de ça. Elle était au courant de tout. Arrête de raconter les conneries de ta fille. Si elle s'était doutée de quelque chose, elle m'en aurait parlé. T'as jamais rien dit sur moi? Qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire? Je sais pas. Par exemple, elle aurait pu demander pourquoi je passais si souvent. Pour elle, t'étais une cliente comme une autre. Et toi, elle te soupçonnait pas? Non. Non, mais j'aurais aimé qu'elle me soupçonne. Qu'elle se demande si j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie, moi. Moi, ça aurait voulu dire qu'elle tenait vraiment à moi. Lucie lui a transféré tous nos mails. Comment elle a eu son adresse mail? C'est ta femme qui lui a donné. Elle ne l'a jamais vue. Lucie l'a appelée au pressing. Elle lui a dit qu'elle avait des mails échangés entre toi et moi. Qu'elle voulait lui transférer. Elle a appelé quand? La veille de son suicide.
Fais-moi attention. Tu sais, après la dispute qu'il y a eu ici avec Céline, tu souviens le jour où je lui ai dit de partir? Oui. Elle n'est pas repassée par la boutique quand j'étais pas là? Non. Elle passait pas par là pour rentrer à la maison? Non, non, j'ai pas vu ça les derniers jours. Elle restait là-haut, tout le temps? Oui. Le dernier jour, elle est descendue, le jour du drame. Mais la veille? Non, pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a appelé ici et qu'elle a discuté avec ma femme. Vas-y. Bonjour, madame. Bonne journée. Merci. Tiens, tu peux t'en occuper. Promets-moi de plus me mentir. Que tu sais ce que je t'ai menti. Que tu m'as dit que t'avais envoyé les mails. Parler. Non. Si. Elle a un accent. Elle est française, sa femme. Bonjour. Pourquoi tu t'es fait passer pour ma femme et t'as donné son adresse mail? Hein? Je te demande pardon. Je te demande pas d'excuses, je te demande pourquoi. Parle! Elle m'aimait pas.
Elle t'aimait pas. Tu lui avais fait quelque chose? Non. Alors pourquoi elle t'aimait pas? Parce qu'elle pensait qu'il se passait un truc entre nous. Elle croyait ça? Pourquoi elle aurait cru ça? Parce que comme vous m'aviez fait travailler alors que j'ai pas les papiers, alors elle a eu les soupçons. Elle t'avait dit quelque chose? Non. Et d'où tu sors ces conneries alors? Ben, comme elle me cherchait tout le temps les problèmes, alors j'ai cru. T'as cru? Dégage. Un an que tu travailles là, elle m'a jamais demandé de te virer. Non, mais elle a toujours fait des choses. Tout le temps, elle faisait des choses pour que vous me virez. Quel genre de choses, ok? Allez, quel genre de choses? Quel genre de choses? Plein de choses. Comme quoi? Comme quoi? Pardon. Comme quoi? Comme le jour où il s'est disputé avec la cliente. La cliente, elle a voulu appeler la police. Et Céline, elle voulait que je reste, elle voulait pas que je parte. C'est quoi le rapport? Elle voulait que la police, elle vienne et me contrôle. C'est tout? C'est pour ça qu'elle est dans le coma? Sors, je veux pas. Sors. Non mais, la robe, c'est moi, je l'ai sortie. Je l'ai sortie de la machine moi-même. Je l'ai enlevée, je l'ai repassée, je l'ai mise dans le plastique. Il n'y avait pas la tâche. Elle avait dû mettre la tâche, elle avait dû faire quelque chose. Moi, tous les jours, ça fait un an que je suis là, j'ai jamais vu quelque chose. J'ai jamais vu un linge qui sort d'ici avec la tâche. Combien je te dois? Mais je suis là tous les jours, je travaille, il n'y avait pas la tâche, je te jure. Tous les jours, je m'occupe du linge et il n'y a jamais eu la tâche comme ça. C'est Céline, elle a dû faire comme ça avec la tâche, je te jure. Non! Dégage! Dégage. Je voulais qu'il sache qu'il ne se passait rien entre vous et moi. Tout le temps, vous étiez énervé, tout le temps, vous avez la tête ailleurs. Tout le temps, vous pensez à quelqu'un d'autre et elle mettait tout sur moi. Le jour de la dispute, vous m'avez dit à moi de rester, vous m'aviez pris la main. Elle, vous lui avez dit de partir. J'ai croisé son regard pendant une seconde. J'ai vu ce qu'elle pensait. À cause de ce que t'as fait, la mère de ce petit, elle est comme un légume depuis 8 mois. C'est pas à cause de ce que j'ai fait. Et c'est toi qui as donné son adresse mail à cette petite merdeuse. Mais elle a pas lu les mails, sinon elle aurait tout su. Et ce serait devant moi qu'elle serait venue boire du détergent. Elle serait partie se tuer là-bas, dans la pharmacie, devant elle. Devant vous, là-haut. Pourquoi devant moi? Naïma! Naïma!
viendras plus. Qui ça? Naïma. Non. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose de mal. Mais elle a dit pardon. Des choses qu'on peut pas pardonner, Fred. Comme quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait là? Rien. Je vais aller chez Léa. On peut pas pour l'instant. Tu viens pas me voir quand tu t'ennuies. J'aime pas en bas. Bonjour. Bonjour. Tu peux monter un peu, Fouad? Ça va? Après, je pars chez Marie. Va préparer tes affaires. Allez. Tu fais un dessin pour maman, d'accord? Reçu nommé. Je sais pas. Si elle les avait lus. Elle aurait au moins réagi, elle t'aurait dit quelque chose. Depuis sa dispute avec la cliente, on se parlait plus. On a resté fâchés jusqu'à la fin. Même si elle les a lus, tu disais hier qu'elle s'en fichait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Ça lui aurait importé. Peut-être. J'en sais rien. Je préfère parler de maintenant. Peu importe ce qui s'est passé, c'est fini tout ça. Ce que je sais maintenant, c'est que tu portes notre enfant. Il s'agit juste d'oublier. On peut. On doit pouvoir. Et si on peut pas?
Ça va mieux, ton poignet? J'ai encore un peu mal. Tu vas aller voir un médecin. C'est le manque de calcium. C'est le bébé qui prend tout. Mais t'es à combien de mois? Plus de 2 mois. Je croyais que c'était à cause de la peinture que t'avais mal. Je sais pas. C'est possible. Il y a quelque chose que je voudrais te dire avant de partir. À quel sujet? Au sujet de mon départ il y a 4 ans. C'est plus la peine. Je voudrais t'expliquer pourquoi je suis parti. Mmh. Je veux plus revenir en arrière. Oublie. Alors je m'en vais. Et des affaires dans la remise? J'en veux pas. Prends-les. Attends, il faut que je voie ici. Oh. Attention, voilà, va pas trop. Ouais. Ah. Tu t'en vas? Oui. Oui, je m'en vais. Au revoir, Faut. Au revoir. Au revoir. Heureusement, elle n'a pas de réaction. Aucune. Je n'ai rien relevé. Ça veut dire que les 2 fois où elle s'est griffée le ventre, c'était involontaire? Peut-être. En tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, ces tests ne permettent pas de connaître son état de conscience. Elle s'était jamais griffée avant. Je ne peux vraiment pas me prononcer. Il se peut très bien que ce soit les infirmières qui aient marqué sa peau. En la déplaçant, vous savez, ces patients ont la peau très fragile. Que faire pour en être certain que c'est pas elle, moi? En faisant d'autres examens. Mais même si les tests sont à nouveau négatifs, le doute persistera. Il faut dire que dans ces cas-là, on ne peut jamais rien affirmer. Ah, bonjour. J'ai rangé les parfums près de son lit. Excusez-moi, vous les avez tous testés? Seulement 1 ou 2.
si tu sens pas.